Il y a du monde. Alors, comment je vais t'expliquer ça? Je suis parti avec quelques potes à Barcelone, donc Grand Homme, la chaîne Grand Homme, donc Thomas, et Junior, qui a plus besoin de présenter sur la chaîne YouTube, je l'espère. On est parti avec nos familles, tout ça, on est parti à Barcelone, on a fait une journée là-bas. Objectif de Barcelone, tourner cette vidéo. Alors, j'espère vraiment que ça vous plaira parce que j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. C'est une bourse aux reptiles qui se trouve à Barcelone, donc en Espagne. Et comme c'est en Espagne, il n'y a pas les mêmes réglementations qu'en France. Et du coup, j'ai pu filmer des animaux qui sont très rares en captivité en France et souvent avec des autorisations béton pour pouvoir les posséder. Et en Espagne, ce n'est pas du tout les mêmes autorisations. À l'heure où je tourne cette vidéo, en Espagne, voilà, on peut trouver une grande diversité. Et vraiment, cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais vous la proposer. Et maintenant, je vous laisse donc avec les images de Barcelone. Et j'espère que tu vas kiffer. Thomas, apparemment, il a l'international. Tu une vidéo Tu crois que quoi? Où on va? On va à Barcelone. Je sais pas quoi dire, j'ai trop hâte. Vous le reconnaissez, c'est Junior? Eh, ça fait longtemps, encore une fois. Barcelone. Ça va être trop bien. Salut. On va où? On va à Barcelone. Tramuntana. Ah, c'est un peu comme la cité d'Amunatra, ça. C'est là où ils ont tourné le film La Momie. Et le GPS, on passe la frontière espagnole, le GPS se met à parler espagnol. Du coup, on comprend rien de ce qu'il faut faire. On se fait avec les dessins, c'est tout droit. Attention, tonton Snake en Espagne. C'est ça. Limitation de vitesse 40 km/h et nous, en France, qu'on pleurait, on se plaignait. C'est à droite ou à gauche hein? Là, c'est à gauche, à Barcelona. Tu me dis à gauche et tu me fais la droite. À droite. Ouais, bah écoute. Il me dit c'est à gauche. C'est à gauche, pas à gauche. C'est... Il n'y a pas de gauche, c'est tout droit ou à droite? Bah, à en droite. Plus, c'est Sien qui s'était trompé. Mais oui. C'est quoi ce ticket? Les péages espagnols. C'est énorme. C'est en carton en plus. C'est bizarre. Ça y est, nous sommes arrivés après pratiquement 4 heures de route à Barcelone. On est arrivé, enfin. Céline, quelque chose à dire? Hola, amigos. Ah non, on commence pas, hein. Maintenant, il faut qu'on trouve la bourse aux reptiles. Et c'est parti! Il y a du monde. Que penses-tu de la bourse, Thomas? C'est un truc de ouf, vraiment. Il y a des espèces de psychopathes que je trouve pas en France, c'est vraiment dingue. Junior. Ouais, c'est énorme, on est au paradis là, là franchement. Bon, c'est une super bourse, c'est la première fois qu'on y va. On a vu pas mal d'espèces complètement introuvables en France de toute façon. Les législations ne sont pas les mêmes, donc on trouve des espèces, ne vous étonnez pas, qui sont interdites à la vente en France, mais qu'on peut trouver là-bas. Donc les législations, je ne les connais pas, mais ce n'est pas les mêmes.
Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir observer. On a vu un stand avec des espèces de France. Oui. C'est un truc de fou quoi. On a trouvé de la couleur vipérine. Ouais, les trucs. Des lézards verts. Ah, ils vendaient des jeunes couleuvres vipérines, etc. Enfin, Yeah.
Encore un petit tour. Ah, des anolices équestristes là, non? Ouais. Ils sont pas contents de la coloration. Ah ouais, en haut. Qui va rendre ça là? Balèze, les gyros sont riches quand même. From Hungary, from Budapest. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.